Alors, en ce moment, il y a 3 entreprises qui embauchent activement ici au Luxembourg. Et ceci plaira sûrement à beaucoup d'entre vous. Car avec ces entreprises, tu peux être embauché avec ou sans le bac. Je répète, ces entreprises peuvent t'embaucher que tu aies le bac ou pas. Et le salaire de base s'élève à environ 1 700 000 francs CFA. Pas mal payé pour un boulot sans expérience, ni diplôme. Et avec le contrat de travail que tu auras, tu peux réussir ton immigration pour le Luxembourg en 2 mois seulement. Car avoir un contrat de travail est très important si tu veux rapidement immigrer au Luxembourg. Et très rapidement, voici les 3 étapes pour immigrer facilement au Luxembourg. Étape numéro 1, trouver une offre d'emploi au Luxembourg. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 entreprises qui sont prêtes à t'embaucher immédiatement et sans diplôme. Étape numéro 2, passer les entretiens d'embauche. Et enfin, étape numéro 3, obtenir un contrat de travail. Alors, la première entreprise dont on va parler s'appelle G4S Security Solutions. G4S Security Solutions recrute activement des agents de sécurité et des réceptionnistes. En ce moment, ils embauchent des personnes qui parlent couramment soit le français, soit l'anglais. Mais si tu es bilingue, c'est encore mieux. Pour postuler, il faut simplement poster ton CV sur le site de l'entreprise. Et si tu ne sais pas comment rédiger ton CV, envoie-moi un courriel ou un email et je t'aiderai à rédiger un bon CV professionnel. Car il faut un CV professionnel qui reflète l'Europe. Le candidat, c'est-à-dire toi, devra fournir l'ensemble des documents justifiant de ses activités pendant les 5 dernières années. Donc par exemple, tu devras justifier où tu as travaillé pendant les 5 dernières années ou alors si jamais tu fréquentais où tu as eu tes diplômes. Alors, le métier d'agent de sécurité au Luxembourg se retrouve dans différentes structures, que ce soit dans les sociétés de services, des commerciales ou encore dans l'industrie. D'après les données du Salarioscope, en début de carrière, le salaire moyen pour un agent de sécurité serait autour de 2200 euros brut par mois pour évoluer ensuite aux alentours de 2500 euros brut au bout de 5 années d'expérience. Donc au début de votre carrière, sans aucune expérience, vous allez gagner l'équivalent en francs CFA d'1 400 000. Et au bout de 5 ans, vous toucherez 1 700 000 francs CFA. C'est bien payé pour un boulot qui ne demande pas d'expérience et pas de diplôme. Aussi, il faut noter que la plupart des agents de sécurité touchent un 13e mois de salaire. Environ un agent sur 3 touche des primes de salaire. Alors, pour être un agent de sécurité au Luxembourg, tu n'as absolument pas besoin de faire des études supérieures. Parce qu'environ un agent sur 3 a un niveau bac et un agent sur 3 a un niveau inférieur au bac. Donc même sans le bac, tu peux être agent de sécurité au Luxembourg. Dans ton dossier de candidature, il faudra fournir tout document attestant une période d'activité. C'est-à-dire certificat de travail, fiche de paye, contrat de travail ou alors certificat de scolarité. Ceci en plus du CV. Alors, passons à la deuxième société qui va te faire réussir ton immigration au Luxembourg sans demander de diplôme et sans exiger que tu aies une expérience préalable. Alors, cette société est parfaite pour les gros mangeurs de pâtisserie, comme moi. Ah oui, j'adore le bon pain chaud et les croissants croustillants au chocolat. Donc, si comme moi vous aimez les pâtisseries, ce boulot est parfait pour vous. Alors de quoi il est question? Pain et Tradition est une grande boulangerie pâtisserie au Luxembourg. Actuellement, ils recherchent des agents de maintenance et de nettoyage. Ils sont prêts à vous offrir un contrat de travail dans l'immédiat. Tout ce qu'il vous faut, c'est un CV professionnel qui reflète l'Europe. Et si jamais vous ne savez pas comment rédiger un CV professionnel, je peux vous aider. Envoyez-moi seulement un email. Alors, en tant qu'agent de nettoyage, ton boulot consistera à participer aux différentes opérations de maintenance, effectuer des travaux de remise en état, respecter le plan de maintenance préventive, les procédures et chartes en matière d'hygiène et de sécurité, et remplacer l'agent de nettoyage lors de ses absences, entretien des locaux, nettoyage des machines, du matériel, gérer les déchets, nettoyer les sols, murs, plafonds et extérieurs. Pour être honnête avec toi, c'est un travail qui n'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Et en plus, tu pourras déguster du bon pain chaud et croustillant à volonté. Et si jamais tu as eu à nettoyer en Afrique, nettoyer au Luxembourg ne peut pas te dépasser. C'est un travail qui est très simple, crois-moi. Alors, la troisième et dernière entreprise qui va t'offrir un contrat de travail dans l'immédiat et qui te fera réussir ton immigration au Luxembourg, fait aussi dans la gastronomie. Le restaurant s'appelle Le Plaisir dans l'assiette. Il recherche des serveurs et des serveuses à temps plein. Aucune expérience n'est requise et le niveau bac est largement suffisant. Pour postuler, il faut simplement créer un compte et poster ton CV. Alors, comment touche un serveur au Luxembourg? Alors, d'après le Salarioscope, pendant ses premières années, un serveur de restaurant qui travaille au Luxembourg ne dépassera pas les 2000 euros bruts par mois. Son salaire sera souvent compris entre 1600 euros et 1950 euros bruts par mois, ce qui est l'équivalent de 1 million à 1 279 000 francs CFA. Pas mal payé, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent immigrer au Luxembourg, mais malheureusement, vous n'avez aucune idée par où commencer. Parfois, la procédure peut s'avérer un peu compliquée, mais ce n'est pas grave. Car j'ai fait une vidéo qui te montre comment tu peux réussir ton immigration pour le Luxembourg en 2 mois seulement.
Oui, 2 mois seulement, et ça à partir de l'Afrique. Si tu veux savoir comment réussir ton immigration pour le Luxembourg, clique sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran en ce moment.